Au sud de la Chine, aux portes de l'Himalaya, s'étend la province montagneuse du Yunnan. À la frontière du Laos et de la Birmanie, la préfecture de Sichuangbanna y abrite l'une des forêts tropicales humides les mieux préservées du monde. Près d'un quart de million d'hectares, hérissés de hautes crêtes montagneuses et creusés de vallées profondes. C'est là que vit encore la seule population sauvage d'éléphants d'Asie du pays. Une vingtaine de familles se partagent le territoire. Pendant 6 mois de l'année, il pleut très peu ici. Alors chaque jour, cette mère guide son petit au pied des collines vers le seul endroit où l'eau coule en permanence. La rivière Sancha. La mère connaît l'endroit où l'eau est encore assez profonde pour profiter de sa fraîcheur. L'éléphante a besoin de boire plus de 200 litres d'eau par jour. Mais pendant la saison sèche, la rivière se charge en sédiments. La mère utilise alors une technique d'écofiltration plutôt originale. Soufflant de l'air par sa trompe, elle repousse les particules en suspension et les feuilles mortes.